Bobissou Média vous présente le résumé de l'actualité politico-sociale et culturelle de la RD Congo par notre correspondant Carlos Bwanga. Résumé de l'actualité sur Bobissou Média. Mardi le 6 décembre 2016. Alors pour nous, mokolo ya lelo to retenir quatre actualités pour na bino na cadre ya résumé de l'actualité ya journée à lelo. Alors to retenir quatre points de l'intolobi ya liboso rencontre entre monsieur ou le président Joseph Kabila na ba membre ya Senko. Deuxième point, attaque ya ba milice mai mai ou esalami lelo na tongo na Vichungu pembeni ya localité ya Rutshuru na Kivu. Troisième point, déplacement à la population na côté à Kabalo vers Kalemi suite à l'affrontement. Et puis, dernier point, tokomo na problème étali publication à calendrier électoral ya CENI na ndenge de l'Eleki. Mais avant tout, on a rappelé que lobby le 5 décembre, ils allaient qui journée internationale de l'arbre. Alors, ils allaient événement moko important parce que biso Congo est le deuxième poumon du monde. Arbre, ils allaient dans la forêt, ils allaient vraiment pour la survie à l'humanité, lutter contre le réchauffement climatique, l'effet de serre, nyonsoana. Mais awa, étant donné qu'actualité na biso politique est dominée, makasi journée année le cas qui inaperçu. Mais pour le thème national de la journée année zalaki, thème national zalaki, pas une école sans un arbre. Alors à l'occasion de la journée wana, plus de 650 arbres zalaki plantés dans chaque école. Pour nous célébrer la journée, wana. Et puis moi, conseil, je suis un élève, un enseignant, un bateau de belé, je suis vraiment une importance, je suis un et puis je suis un ming, même na je suis un peu pour participer à la lutte mondiale, où il y a un réchauffement climatique, na événement moussousou. Alors, pour na makambo tel résumé de l'actualité, to banana premier point na biso ndenge to ebsibino na o Italie Senko. Alors, to lobby ça point important pourquoi parce que rencontre o ya président Kabila na Senko et jui et faire taire ba rumeur et belé parce que boyebi après accord ya dialogue intercongolais ça maki na cité l'Union africaine président Kabila no maki premier ministre Badi Banga Sami. Mais jusqu'à là, le gouvernement est limité. Alors, ils ont des Congolais, des Léos, qui toujours avide du pouvoir, qui ont un swap de pouvoir pour le pouvoir. Mais si ils ont un cop, ils ont un assiette, ils ont un cousu, ils ont un ministre, un vice-ministre, ainsi de suite, même côté à majorité, même côté à opposition. Alors, le quoi est-ce que le gouvernement a dit que c'est un peu la peau et bima, étant donné que Senko a continué que ça là-bas pour parler. Pour nous réunir sur une même table et un rassemblement dans la majorité présidentielle. Alors, nous sommes sur la majorité présidentielle, nous avons dit que nous sommes en danger parce que la concertation au Sénat, au Sala, auprès de la majorité de l'opposition, ce qui est Simbi, et pour lequel il y a un accord à l'Union africaine, et puis il y a un rassemblement dans la majorité présidentielle, dans le président Kabila, dans le président Tshisekedi, pour que le Sala soit sous Nini. Va signer accord musu sa le lukake bouleverser va calculer tant mamoni que ba intérêt na bango ko koma ba ministre ba vice ministre et comme menacé ba rapidité que week-end dernier ba sali communiquer moko pour ba déclarer à la population que ba concertation au ya Senko échoué ça dit ba concertation au Senko andai ko sala pour na ko réunir ba to rassemblement na ba to majorité échoué. Alors pour cela donc il faut pour continuer à avancer bon, sans battre rassemblement. Alors, il y a qui moi trouble, bon, trouble était vraiment, mais moi, psychose au niveau de la population. Et on a rencontré à l'Obina Lelo, il y a Senko, le président Kabila, et faire taire Barimer Rwana, parce qu'à travers rencontre, le président Kabila a renforcé sous confiance dans Senko. Alors, il y a continué à couper sa confiance dans Senko, dans le là-bas pour parler. Et puis, Senko, moi, a déclaré que a su à réussir à rapprocher le point de vue entre le rassemblement et la majorité, parce que la divergence est commise qui est. La convergence est commis et belé. Et le rassemblement est transmettra qui est feuille de route pour la nouvelle négociation. Et tant que le président Kabila va remettre le président Kabila, feuille de route rassemblement, il y a une revendication sur le rassemblement. Et la sortie à rencontre de la Banque du président de la République, président Yasenko, président Yasenko, Azali Monseigneur Marcel Outembi,
yende asalisko déclaration lobi ke bientôt na mikolo ezoya musika te kala mingi tawa na quelques jours na quelques heures c'est encore ça la publication à communauté conjoint donc communiqué conjoint c'est-à-dire communiqué mon réserve signé à la fois par majorité na bato à présent Kabila et puis au rassemblement opposition na bato à présent Tshisekedi communiqué conjoint sur nouvelle feuille de route ou à nouvelle négociation au salama pour que en tant au niveau national et à la vraiment plus inclusif afin que le 19 décembre, ils ont la Kimia, ils ont la Mobouloute. Alors, le rôle à les deux camps, ils ont la camp, il y a rassemblement, il y a présent du Tshisekedi, et puis quand il y a pouvoir, il y a présent Kabila, il continue à faire confiance à Senko. Il y a vraiment un espoir, ma casse, que ceux qui sont Senko, mais il y a une négociation, il y a pour parler de Tshisekedi, il y a un accord bien final, où ils ont plus inclusif que le accord, il y a OIA, et puis il peut permettre que toi avancer troubles à la tête. Déjà, bah, tout mingi, déjà, bah, comme vous, déjà, qu'on projetait qu'au courant, une semaine, Kakawa, rencontre un Kosalama, et puis, bah, déclaration, que c'est la mienne, belé, il y a, bah, toi, rassemblement, bah, toi, il y a pouvoir, par exemple, bah, tout autant pouvoir, ils allaient qui n'a, porte-parole aller en tournée de la majorité présidentielle, ça y est, déclaration, on a qui, problème, moi, je suis posé, société, côté opposition, pour déclaration, il y a Franck Diongo, présent à MLP, parti Lumumbiste et Progressiste, aux amis membres rassemblement, à saluer des déclarations pour la relaxer, obstacle, les alliés sous Mingité, et souhait, les alliés vraiment que rencontre physique et salamment entre président Kabila, na président Tshisekedi, et puis Yangolande toujours projeté, et puis Bassour, son souhait qui sous confirmant, on a président Olengankoyi, président a fourni sur la IP, membre du rassemblement, membre du conseil, ça peut confirmer le souhait que les Mikolo et Zoya, c'est non dernier, bah, tant dans le Senko, ceux qui, bah, divergence, nous sommes déjà balayés, bah, pour ça, la rencontre physique entre président Tshisekedi et président Kabila pour la cour, pour apaiser la situation, et on a dit que c'est au Italie, Makambouana. Alors, deuxième point de Turbaki, déjà au Italie, attaque. Oui, salamaki lelo na Vichungu na Rutshuru. Alors lelo na tongo makasi attaque ya ba miliciens mai mai salamaki na Kivu kuna na localité ya Rutshuru précisément na Vichumbi. Oui, zali localité moko zaki occupé par pa population tongo ba mai mai ba sali attaque wana ba occupé localité wana pendant plusieurs heures et ba bataki ba repoussa ke puis ba balonga ki ba far ba soldat armée nationale nyoso bazala ki wana et puis ba occuper localité là pendant un certain nombre d'heures ndesiko par après ndé tomba FRDC ba tindi renfort pendant la journée ba e ba bundi ba réussir ko déloger ba miliciens mai mai au bazali wana comme ça FRDC armée nationale et reprendre localité wana mais ba bilan est vraiment lourd surtout côté matériel parce qu'on parle de 2 morts et 2 blessés. Mais côté matériel, ils ont bilan lourd parce que des sessions à Bandaku, il y a école, il y a Marambe Bélé, ça me suit, il y a affrontement. Et les populations à Kokima, jusque là, situation est confuse, bien que FRDC a récupéré territoire, mais la population est toujours dans Kobanga, parce que nous sommes à Kima qui est à Bandaku, à Bangote. Donc, la cité est un peu déserte. Et puis, il y a craindre que Maï Maï, ça la sur une deuxième attaque pour voir qu'on affronter sur la FRDC et qu'on risque que bilan la sur Makasi et on a dit toujours continuer comme situation pour Nabino la Bangonga ou les Akoyas qui mouvement sur ces amis sur la Kuna toko zangate na ko informer nos d'urgence pour boyeba évolution ya dossier wana ya attaque ya mission mai mai na des logements la Bango par FRDC. Et puis troisième point c'est qu'au débat tout le bien nos déplacements à la population de Kabalo vers Kalemi. Wana zali na ex Katanga. Alors ndenge bakata ki ba province actuelle province à Kalemi ça le long ya lac Tanganyika. Alors territoire wana secteur wana affrontement de ça depuis plusieurs mois déjà sikoyo entre ba population pygmée na ba population bantou au bazawana. Alors ba affrontement la bango de ça la wana ezo créé ba dégâts matériels et humains makasi. Alors ces derniers temps risque makasi ya affrontement exercice entre ba population pygmée na bantou au bazo réclamé ba terre. Alors ba population nyonso au bazali na territoire ya Kabalo bazako kima pona okene na ville la Kalemi au ezali chef lié pona ko kima ba affrontement wana. Alors, présentement, bilan n'a pas été cité, mais il y a eu beaucoup de dégâts au Salami Kuna. Actuellement, même cité, ça s'est vidé, ça s'est vidé. Bactère, la société civile n'a pas été sur place. Alors, ça a été déclaration pour que le gouvernement central a mis en place la situation pour que nous ayons
qui ko sala pona ko apaiser population et puis ko limiter ba affrontement afin que pe to kimé van na territoire wana. Mais pour l'instant vraiment population nyon se dans secteur wana ya République démocratique Congo bazana kimiate et surtout que ba affrontement on est juste là ba mort ba blessé ba bilan nango vraiment précis jusque là exact parce que le gouvernement a communiqué par rapport à yango jusqu'à présent. Donc ce qui est juste évolution par rapport à information sur déplacement massif de la population de bateaux vider territoire ya kaba le pona ko kimé na calémie afin que ba échapper na ba affrontement meurtrier ou je salamana secteur wana tokoluka to informer bino davantage. Alors tant le wana pona okene na point na biso ya suka avant ça tokolobe la problème au etali grève au salami lelo na niveau à fonction publique na niveau à fonction publique grève et salami makasi ba l'argent n'a pas cas de force puis il travailler parce qu'il va protester contre arrêt au ministre sortant parce qu'actuellement gouvernement il y a matata pour nous continuer au expédier bah expédier bah faire courant en attendant que gouvernement badi banga et ça l'a mis en place mais bah ministre on a besoin démissionner en principe bah il faut prendre sur sa décision forte était basé effectuer expédier qu'à faire courant mais bon bah continuer à prendre la décision ah ouais ministre a une décision mon coeur il a réglementé ma gambota les retraites alors bazo déclaré na ba syndicat na ba travailleur ya fonction publique que les allés vraiment anticonstitutionnels et puis ba modalité au bâtiment wana ils ont vraiment des avantages ya ba travailleur au fait ba qu'il na retraite de manière honorable alors ba boy ko travailler présentement ba toute la journée d'ailleurs jusqu'à présent na niveau à fonction publique ba travailleur ba qui pour ba ça la réunion ya conseil j'ai assemblée générale na bango na ba syndicat na kati ba boy li bango ba tie ba militaire partout wana na niveau ya na force publique pour pas déclarer arrêt de travail alors ba empêcher ba gens na ba cadre ba côté na ba bureau na bango ba côté kati pour sa réunion alors ba disperser bango et puis jusqu'à la situation ya na niveau wana to rejoindre mon collègue lobby tout à la sorte que évolution ça ndenge ni parce que jusqu'à présent même gouvernement ou bien autorité de tutelle ya ministère wana atikali pour s'exprimer te par rapport ya likambo wana na yango to ko sukisa siko na point na biso suka na o etali seni parce que normalement lobby lundi seni il fallait a publier calendrier électoral conformément ya ba accord hein ba accord ndenge salama ki na cité a oia na niveau ya dialogue ba lobaki que 20 jours après pour nomination à premier ministre et la formation au gouvernement il fallait sikoyo ba que Seigneur publie calendrier électoral mais encore wana depuis banda kiti sikoyo et ça toujours ka cause la violer d'abord pour na ko bimisa premier ministre nombre ba jours les kaki par rapport à nombre ba jinde ba ki 21 mais ba bimisa premier ministre plusieurs jours après 21 jours après ça à part ça sikoyo deuxième point ça qui que ce premier ministre bimi après 20 jours Seigneur tika ko tika calendrier électoral ya élection mo bimande ko sala ma main et salamité lobby PCNA qui kotika ni ni wana ta qui ko déposer calendrier que na niveau parlement ou na gouvernement alors